Salut à toutes et à tous, c'est Crane. On se retrouve pour une découverte toute chill qui promet de faire passer des bons moments à se balader, à explorer, à voir des jolis paysages provençaux, parce que c'est un studio du sud de la France qui nous délivre ce jeu Plain Toast, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est Caravan Sandwich, c'est une OP, donc un grand merci à eux. Ça fait toujours très plaisir de faire des OP tout court déjà, mais particulièrement sur des jeux indés, en plus du jeu indé français, et dans une ambiance qui a l'air tellement chill. Si vous allez regarder le trailer de Caravan Sandwich, vous avez une musique avec des voix que j'espère qu'on entendra dans le jeu, parce qu'elle est vraiment très très chouette. En plus, il m'a envoyé des petits trucs sympas. Il m'a envoyé un cahier de coloriage qui apparemment est disponible je sais pas où, mais voilà, il m'a envoyé un grand cahier de coloriage avec une petite figurine, parce que je crois qu'ils ont des trucs d'impression 3D où on peut... Oh, ça va être compliqué d'avoir une... Voilà, bon, c'est pas peint, donc vous pouvez pas trop voir, mais merci à eux, ça fait toujours plaisir, c'est gentil. Bon, le focus de la caméra n'a pas été très coopératif. Hop, enfin voilà. Donc là, le jeu vient tout juste de sortir. Il est dispo sur Steam, il est dispo sur Switch, je crois, et sur PS5, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Le jeu sera disponible, en tout cas, je ne sais pas s'il est sorti aux mêmes dates sur la Switch et sur la PS5. Actuellement, il est à 24,99€ avec 10% pendant une semaine après la sortie. Voilà, et voilà, il y a plein d'options que vous pouvez régler. Des options, c'est un jeu aussi qui se veut accessible et inclusif. Et de par son scénario et ses représentations, donc on va voir ça ensemble. Et bah je suis curieux, je suis très curieux. Voilà, voilà. Vous aurez un petit lien dans la description sur YouTube, qui n'est pas le même lien que sur Twitch d'ailleurs, donc n'hésitez pas, même si vous avez cliqué sur Twitch, à cliquer sur celui de YouTube. Et c'est un bon moyen de soutenir lors des OP, parce qu'ils voient que plein de gens ont cliqué. Ils sont contents, moi je suis content, tout le monde est content. Et vous aussi vous êtes content parce qu'on est content. Voilà, et ça vous envoie juste sur la page du jeu, donc ça vous permet de check le jeu en lui-même. Ok, j'ai tout dit. On peut y aller. Let's go. On peut regarder vite fait les options si vous voulez. Donc il y a ce mode que j'ai pas activé pour le moment, mais qui pour moi est un mode qui peut être game changer. Parce que je suis très facilement sensible au motion sickness. Donc pour l'instant, on va tester sans. Et on verra ce que ça donnera. Sinon, on l'activera. Mais rien que le fait que ce mode existe, c'est plutôt très très cool. Voilà, voilà. Hop. Bien évidemment, on va jouer en français. Et retour. Jouer. Alors, est-ce que je joue à la manette ou est-ce que je joue au clavier? Je ne sais pas. On va voir. Nouvelle partie. Commencez l'aventure. Let's go. Installez-vous confortablement. Mettez-vous vous aussi sous votre plaid si vous êtes mort de froid comme moi. J'arrive pas, toujours pas à y croire. Hop, mon clavier, c'est bon. Je viens de recevoir un signal de détresse du vaisseau de Garance, ma sœur. Sauf qu'elle a disparu il y a plus de 6 ans. Le signal de détresse vient de notre planète natale, Sigalo. C'est aussi là qu'elle a été vue pour la dernière fois. Alors, est-ce que... Non, il n'y a pas de souris pour voir Sigalo, vu que c'était en couleur différente. Je dois y retourner, il me faut des réponses. Sigalo, j'arrive. Ok, alors déjà, c'est joli comme tout. Hop. C'est très propre. Comme quoi, la direction artistique, c'est vraiment très important. Parce que vous pouvez avoir des jeux avec limite du photoréalisme, pas mal, qui essayent de mettre plein de détails un peu partout, tout ça. Et ça rend beaucoup moins bien que ce jeu-là, qui est super propre et très agréable visuellement. Vite, mon train est à l'autre bout de la spatiogare. Le projet Helios n'est toujours pas terminé. Nouveau message, F. Alors, Basile, Sauge, tu es où là? C'est quoi ce mot que j'ai trouvé dans ta chambre? Retourner sur Sigalo sur un coup de tête? J'appelle papa, ça va pas se passer comme ça. Ne prends pas ce train. Ok. Non, c'est juste, on m'a envoyé... Garance, alerte, vous êtes dans des contacts d'urgence de Masco Garance. Ce message automatique a été envoyé depuis le réseau de la planète Sigalo. Le vaisseau a enregistré au nom de Masco Garance et dans un état critique. Sauge. Garance? Mais c'est pas possible! Ok, objectif. C'est juste que c'est objectif suivi, il n'y a rien d'autre. Ok. Hop, la DA est très très chouette. Hein.
Ouais, cet endroit est plus au top de sa forme. Hein. Ok, on alimente, ce qui a permis d'ouvrir la porte. Et merci Kitanto pour les 43 mois. Merci, merci. Alors, on est toujours en ce bâton. J'ai juste enlevé le compteur, tout ça, comment ça s'appelle, pour l'OP. Mais le compteur est toujours là, il est juste caché. Qui a pu oublier son sac ici? Personne ne vient jamais dans cette gare. Ah, il y a une annonce. C'est vide. Ah oui. Ah, bon, il avait dit de se dépêcher un peu, mais on va regarder un peu partout. Hein. Et je reconnais cette pub. Ouah, ça date de quand, Toaster est sorti? Ah, Toaster, c'est Twitter, je viens de tilter. Ok. Je peux monter ici. Du coup, est-ce que ça a un intérêt de tomber là si ce n'est remonter à l'échelle? Je sais pas du tout s'il y a des trucs planqués ou pas. Ce sera, on va découvrir ensemble. Ah, ça commence bien, dis donc. Le talent. Ok. Ouais, j'imagine que je pouvais pas passer ici, donc là c'est fait. Donc là, est-ce qu'on a des trucs à trouver sur le côté ici? J'ai pas l'impression. Le train est parti, tu crois? J'y suis presque. Non, regarde, on a le temps. On a complètement le temps, on va même pouvoir discuter avec Nef là. Allô, Rose, foutu brouilleur. Oh, Nefle. Sauge, c'est bien toi. La seule et l'unique. Je suis pressé, tu prends le train? Bon, on va dire la seule et l'unique. T'as grave changé en 6 ans. Ça faisait longtemps que t'étais pas revenu à Cigalo. C'est clair. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas parti en études en même temps que ma sœur? J'ai laissé tomber. Mais bref, toi non plus, tu n'arrives pas à contacter Cigalo? Comment ça? Il y a un brouilleur au village. C'est une vieille technologie du consortium qui coupe toutes les communications. Les gens m'ont fait une liste de courses vu qu'on ne peut même plus commander quoi que ce soit. Mais alors, tout est coupé? Même les signaux de détresse? Ah, la sirène du train. Mince, les colis. Aide-moi à les rentrer, vite! On n'a pas vu ce qu'il y avait au bout. J'espère qu'il n'y avait rien. Sur le rebord, là, sur le côté, à gauche. C'est vraiment joli, hein. Sympa, hein? Oui, c'est un jeu français, ouais. Du sud de la France. Et c'est aussi édité par Dear Villagers, qui sont de Montpellier. C'est pas très confort, mais je me lasserai jamais des paysages. Ok, Nef, j'ai réfléchi pendant le trajet. Faut que je te dise un truc, mais panique pas. D'accord, je t'écoute. J'ai reçu un signal de détresse de Garance. Ah ouais, bien sûr, mais c'est impossible. Je suis sur ses contacts d'urgence, son vaisseau est dans un état critique. Mais Garance est morte. Ou disparue. Elle veut pas qu'on la retrouve. Quoi qu'il en soit, c'est la dernière chose dont j'ai envie de parler. Mais il faut faire quelque chose. Mais il faut faire quelque chose. Ça changera rien. On n'a jamais eu de réponse à cette histoire. Je peux pas croire que Garance soit en vie. Après toutes ces années, ça vient de son vaisseau. Si on le trouve, on aura forcément des réponses. C'est quoi ce bruit? Ah, ça doit être Rose. Va voir ce qui se passe, j'arrive. Je l'ai regardé. Faut que j'aille la voir, oui. C'est fou comme ils ont réussi à faire une DA qui te donne envie d'explorer le monde, d'aller un peu partout, alors que c'est...
ça semble être des textures simples, etc. Tout ça, mais ça rend trop bien. Ces sodas est plus en vente depuis le départ du consortium il y a 40 ans. La dernière note sur ce tableau date d'il y a 2 ans. C'est triste, plus de boulot et tout le monde s'en va. Ça a l'air bien comme ça. Hop. Oh là là, comment j'ai fait mon compte? Oh fada, fallait que ça tombe sur moi. Oh fada. Hey Rose, un problème? J'ai possiblement fait une petite sortie de route. Oh mais attends, c'est bientôt ma petite sauge? Non, je suis une grande plante verte qui parle. On va lui dire oui, ça fait longtemps. Oh, c'est gentil de venir me voir avant que je ne me transforme en compost pour mes tomates. Mais tu me raconteras tes aventures plus tard. J'ai un peu peur que le van prenne feu. Oh, t'as pas fait semblant cette fois, Rose. Hein. Désolé, mes réflexes sont plus aussi aiguisés que dans ma jeunesse. T'inquiète, on va réparer ça à mon garage. Nef, merci d'être là pour moi. Par contre, j'ai toujours pas le permis. Bah j'ai le permis, moi. Oh, merci ma petite sauge. Génial, en route vers le garage. C'est très cool pour le moment. Et là, ils nous ont mis une conduite horrible où tu fais un millimètre et tu vas hors route de partout et ils ont tout gâché. Non, je pense pas. Non, ça va. Hop. Attention à ta conduite, Sauge. Mon petit van est déjà tout cabossé. Écoute, bon, ça va, hein. T'inquiète, je fais des études de pilotage. Ouais, ouais, on te regarde. Ok. Allez, Rose, regardons ton van. Je cause tellement de soucis. T'inquiète, j'aime bidouiller. Je peux aussi jeter un œil. Nef, on a besoin de toi. Viens vite. Oh, Sauge. Sauge ? Tout le monde, ramenez-vous. Sauge est revenu. Gamine, toi ici ? Sauge, ça fait si longtemps. Je suis trop contente. C'est pas tout ça, mais on a besoin d'aide. Nef, j'ai descendu le brouilleur sur la place, comme tu l'avais demandé. Même les rentos ont des problèmes avec le signal des brouilleurs. Quoi ? Maintenant ? Mais j'ai pas le temps. Ma petite Sauge, tu pourrais t'en occuper ? Le village a très envie de te voir en plus. Bah, ça peut le faire. Top ! Merci ma chérie. Je vous retrouve vite. Ok. Bon, baladons-nous un tout petit peu. Bon, pour l'instant, qu'est-ce que ça dit ? Je suis parti voir les nomades pour résoudre le problème de récolte une bonne fois pour toutes. Okay. Ne vous en faites pas pour moi. Ah mince, j'ai pas vu la fin. Ouais, on s'en fait pas pour lui. J'ai fait tellement de soirées entre potes ici. C'est des ancêtres, le garde-manger communautaire, mais on l'a bien arrangé. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici ? Nouvel objet, composant insolite. On peut tirer de ce type de composant des bobines, moteurs ou autres pièces de valeur. Et on arrive là. Et d'accord. Ah. Composants communs. Les composants les plus communs, on peut y trouver des transistors et d'autres pièces élémentaires pour tout appareil. C'est sympa pour le moment. Hein. Est-ce qu'on peut... Ah, le jeu a failli avoir 12 sur 10. Si on avait pu faire de la balançoire de pneus. Ah là là. Je dois retrouver Yuka sur la place avant de partir. Ah, c'est très chill. Hein.
Il va me faire fermer tout, je pensais. Alors, ils doivent être de ce côté. Ce que je peux faire. Donc, on meurt pas. Je crois qu'il n'y a pas d'ennemis. C'est vraiment... C'est vraiment pas pensé pour vous stresser ou quoi que ce soit. Mais pour profiter du voyage, apprécier, passer un bon moment. J'ai tellement envie de tester, de grimper partout. Ça fait un moment que je suis pas venu. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Pas de sniper, non. Non, oui. Voilà, je voulais monter ici. C'est probablement rien, mais ça m'a rendu heureux. C'est ça qu'on utilise pour se connecter à Toaster. Top pro rétro. Ok. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est à cause du brouilleur. C'est à cause du brouilleur. C'est là qu'habitent Clémentine, Olivier et Abricot. Et je peux rentrer ici. Plutôt contente d'être assez éloignée pour pas entendre leurs pleurs la nuit. Bon, j'espère qu'ils m'attendent pas trop rapidement, mais j'ai trop envie d'explorer l'endroit. Oh, mais c'est le lit d'Abricot. Trop mignon, sa pluche de tigre. Si je trouve des pluches, je pourrais lui en amener, ça lui ferait plaisir. J'ai cru qu'on allait lui piquer sa pluche. Hop. Donc ça fait une petite justification à trouver des collectibles, des trucs comme ça, c'est sympa. Hop. Salut, Soresfa. Quel nom de plainte, oui. Voilà, voilà, c'était sûr. Nouvel objet, appareil photo. Un appareil photo sur pied. Il est plein de sable et la pellicule est illisible. On dirait que cet appareil a au moins 40 ans. Mais qu'est-ce qu'il regardait ? On peut pas monter. Donc on aura ce magnifique appareil photo. Un four à pain ou je sais pas quoi. Ah bah oui, il y a du pain partout. Et là, ça nous fait revenir ici. Ok. On va aller sur la place du village. Alors attention, est-ce que c'est le meilleur jeu ou pas? Oh là là! C'est bon. Vas-y. On peut bouger le ballon. C'est bon. Et Sauge par ici. Oui, oui, j'arrive! Je fais juste un petit détour pour explorer ce magnifique village. Le jardin de Yuka est trop cool. Oh mais... Ah, ils ont vraiment trouvé une direction artistique qui marche du tonnerre, quoi. Et c'est le truc qu'on a vu, hein. Heureusement qu'elle est là. Non. Voilà. Bah voilà, je suis content, je suis monté là. On peut pas sauter très haut sur place, d'accord. Ça a l'air d'être un truc à ramasser, ça. Oui. Composants communs. Ah, qu'est-ce que c'est que cet endroit?
Garance et Nef venaient toujours ici quand j'étais petite. Si j'avais jamais le droit de les suivre, j'étais trop petite. C'est cool quand même de grandir, maintenant je peux grimper ici sans souci. Exactement. Non, ça rend bien. Ça rend très très bien. Là on a une porte. Là il n'y a rien. Alors qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ça donne envie d'y vivre. À chaque fois que tu es à un endroit, ça donne envie d'y vivre. Ah, on peut s'asseoir. Salut Docteur Lelex. Quel est le pitch de ce jeu ? On a un message de notre sœur disparue il y a 6 ans et on va à Cigalo pour essayer de voir si c'est si c'était un vrai message ou pas pour la retrouver ou quelque chose comme ça. Mais c'est un jeu de, ouais, d'exploration, d'aventure. Hop. Tout cas. Qu'est-ce qu'il y a en haut ? Ah, le van en petit, en jouet. On peut chill ici. Sympa, sympa, sympa. Salut Pic Pic. Ah, la DA, elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable. Bon, les autres, ils nous attendent dehors, mais bon, moi, j'ai voyagé, je suis fatigué, hein. Je fais un petit somme. Hein. Ok, ça a dézoomé jusque-là, et là, je pense qu'il ne se passe plus rien. Hop. Ok, allons les voir. Pendant ce temps, tout le village t'attend sur la place. Exactement. Et Isso, je pars ici. Ah, je vous avais pas vu. Je suis trop contente de te revoir. T'es revenu pour nous aider à détruire ce brouilleur ? On n'a plus aucune connexion. Je vais faire de mon mieux. Gamine, ça fait des jours qu'on planche là-dessus. C'est pas toi qui vas trouver une solution, redescendre ta station. Enfin, Safran. Parle pas comme ça, Soj. Mais c'est vrai, quoi. Nef le cherche une solution depuis un moment. Pourquoi Soj y arriverait ? Ça va. Parce que Soj va utiliser mon débrouilleur. Oh, Nef, enfin. Ça fait des semaines qu'on attend. Bon, je sais que j'ai été long à explorer, mais pas des semaines. Ouais, j'avais pas mal de contrats de livraison. Et c'est quoi ton bidule, là ? J'espère que j'ai pas déplacé le brouilleur sur la place pour rien. J'ai fabriqué un transducteur à magnétoformage. Ça va permettre de créer des ondes électromagnétiques qui vont détruire le brouilleur de l'intérieur grâce à une impulsion artificielle ultra précise qui inverse la polarité. Ça a l'air compliqué. Mais non, Soj. Vas-y, à toi l'honneur. Ok, c'est parti. Tu peux le faire. Alors, débrouilleur, un appareil que m'a donné Nefle qui surcharge les bandes magnétiques des brouilleurs pour les désactiver ou un truc du genre. Ah, tu veux que je l'utilise ? Ah ok, donc tout est débrouillé ici. On s'est très très bien débrouillé. Sauge d'une nuit d'été. C'est sympa, c'est sympa. Donc on voit qu'il y a des points d'intérêt ici. Ok, c'est un repère, tout ça. Donc on a débloqué la carte. Ok. Bien joué, Sauge. C'est vrai que c'est plus rapide que d'aller l'enterrer dans le désert. Enfin, je vais pouvoir checker mes messages. Bon, c'est pas tout ça, mais il y en a d'autres. Ah ah. Bon. Je crois que je lui ai déjà pris son appareil photo. Faux raccord. Petit faux raccord à cause d'un crane qui explore un peu trop. Mais bon, c'est pas grave. Eh ben, je suis de retour, les enfants. Rose, t'as raté Soj qui pète le brouilleur avec mon débrouilleur. Oh, mais c'est super, ça. La suite ne va pas être aussi tranquille. Faut aussi éclater les brouilleurs qui restent là. Et on s'occupe pas du signal, d'abord ? C'est ce qu'on va faire, mais pour ça, on doit d'abord casser les brouilleurs. Aucune chance de trouver le signal de détresse s'ils sont dans les parages. Ok, d'accord. T'as leur position ?
Non, pas précisément. Par contre, j'ai créé le plan d'une antenne qui pourra les détecter. Mais c'est parfait ça. Allons la construire tout de suite. Ah, oh, c'est mort, j'ai pas assez de composants recyclés dans le garage pour la construire. Et t'aimerais que je t'aide à en trouver du coup. Yep, ce serait parfait. Ici, faut que j'analyse la carcasse du brouilleur qu'on a cassé. Autre chose, vous savez pas où est passé mon père? Il était pas au café? Ah oui, il est parti dans le désert chercher les nomades. Et il n'a pas voulu attendre que je revienne pour lui prêter le van. Toujours aussi têtu. Bon, tu viendras me voir au garage dès que t'as le temps, Sauge. Sauge, ma chérie, tu peux me ramener chez moi en van? Ouais, bien sûr. Salut, Sharkios. Tu as commencé la saison 2 de Ring of Power? Oui. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est bon de te revoir dans les parages, ma petite. Qu'est-ce que tu ressembles à Garance, dis? Ouais, je vais bientôt avoir l'âge qu'elle avait. Je m'en remettrai jamais. Garance, c'est sa sœur qui a disparu. Ah, ma petite maison. Retraite de Rose. Que c'est bon d'être chez soi. Ta maison, elle est trop jolie. Alors, ma petite Sauge, j'ai bien vu que vous parliez de quelque chose d'important avec Nefl. C'est quoi cette histoire de signal? J'ai reçu un signal de détresse sur Toaster. Un signal de quoi? Qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Oh, j'en sais rien, je suis perdu, je sais pas quoi faire. J'ai reçu un signal de détresse du vaisseau de Garance. Mais elle a disparu il y a 6 ans sur cette foutue planète. Où est-ce que je dois chercher? Les coms sont bloqués. Oh, je peux t'aider. Et même si j'avais la moindre idée de ce que je dois faire, j'aurais aucun moyen de voyager dans le désert. Si j'y vais à pied, je vais disparaître comme elle. Sauge, écoute. Oh, c'était vraiment stupide de revenir ici. Pourquoi faut toujours que je fonce sans réfléchir? J'en ai trop marre, j'ai aucun plan. Sauge, j'essaye de te parler. Quoi? Je sais pas si tu trouveras ce que tu cherches, mais je suis certaine que tu es capable de retrouver la source du signal. Et tu y arriveras certainement si je te prête mon van. Ah, mais ça serait génial! Allons, allons, on n'en fait pas tout un plat. Par contre, mon van est le seul véhicule qui roule encore par ici. Hein. C'est le dernier des vans d'exploration utilisés par le consortium. Lors de l'accident de la Tarasque, il y a 40 ans, j'ai décidé de le garder. Comme presque tout le monde est parti vers d'autres planètes pour continuer le projet Helios, les autres vans ont fini en épave. Donc je compte sur toi pour continuer d'aider les gens sur Cigalo. Oui, oui, j'oublierai pas. Allez ma chérie, viens prendre un thé à la maison, ça te fera du bien. Il est bon ce thé. Il se fait tard, tu restes dormir à la maison? Volontiers. Bah c'est sympa l'ambiance qui est posée, l'histoire. Vous voyez là, il y a quelqu'un qui nous donne son van. Mais c'est pas bizarre. Voilà. Ça fait pas, oh, un PNJ Deus Ex Machina qui vient prendre notre travail et nous donne son vaisseau. Clé du van, la clé du van de Rose, la classe. Bon, bah, j'ai loupé un dialogue. Il faut aller retrouver Nefl à son garage. Yel voulait me voir. Mais on se... Faut y aller, mais on s'allonge 2 secondes quand même avant. Voilà. Voilà, voilà. Donc on a deux. Ah, on va voir si on trouve d'autres trucs par ici. Ça, c'est la sortie, je pense. Ça, du coup, ça doit être le lit de Rose. Hop. Est-ce que ce serait mieux à la manette ou pas? On va tester pour voir ce que je préfère. Il paraît qu'on t'attend au village. Il te prépare probablement quelque chose. Comment ça? Va voir par toi-même. Moi, il faut que je me repose. S'il n'y a pas des trucs planqués. C'est avec ces olives que Yuka fait sa fameuse tapenade. Oh, je mangerais trop de la tapenade, là. De la tapenade. Rose a toujours eu le coup de main avec les machines. Elle l'aide à entretenir son jardin. Hop, un composant commun. Je regarde mon inventaire, on voit la clé du van, le débrouilleur, la Toaster Watch, la photo de famille et un appareil photo. Ah,
rien de spécial. Est-ce que genre on peut monter? Ah, le genre de petit détail, vous voyez le petit mangeoir à oiseaux, je sais pas quoi, c'est sympa. Oula! Attention avec tes grosses cornes, toi. Mais... alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Oh mon Dieu, c'est dans ce pot de fleurs que j'ai vomi une fois. Un autre composant commun. Qu'est-ce que c'est que ce système? Grimpons. Un autre composant commun. C'est un insolite. Composant insolite. Et là... alors, attends. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on doit voir? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Non, je pense pas. On peut grimper ici. Puis là. Là-bas, il y a du bois. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller voir. Tout va bien. Pas de panique. Et on a un composant insolite. Et donc, on arrive là. Et l'un des seuls moyens de monter sur le toit. Ah. Ah, 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 ah. C'est quoi le truc pour courir? Non, ça c'est... ok. Ok. On grimpe là. On grimpe pas là. Ok, on grimpe là. On arrive là. Et du coup, on a grimpé là. Pourquoi faire si ce n'est avoir une jolie vue? Il y a l'air d'y avoir des trucs en face là-bas. Alors ça doit juste être pour avoir une jolie vue. Ça semble être un truc important du... hein. Du jeu. On aurait deux nouveaux messages sur le toaster. Alors, je vais reprendre le clavier souris, je pense. Ah, il est sympa ce jeu. Hein. Salut The Magician Bear. Alors, Nef, là, bien dormi? Retrouve-moi au garage dès que tu peux. Il faut qu'on discute du brouilleur qui se trouve dans les calanques. Oui, il est plus qu'embêtant celui-là. Hop. Et signal de détresse. Rappel, 3 jours depuis l'envoi du signal de détresse. Si vous souhaitez ne plus recevoir de rappel, envoyez stop. Attends. Je peux pas écrire stop. Ok. Ce que je voulais voir, c'était en passant par là. En... non, E. E. E, pas A. Mes doigts, ils appuient sur les mauvais boutons. Salut, Coconuto. Ah non, on peut pas. Ah. Faut monter, genre... par là-bas. Et revenir par là. On n'a pas regardé ce qui se passe quand on va dans l'eau. Déjà, on va regarder un petit peu la plage ici. Où il y a une grotte. Où il y a une grotte. Enfin, je sais pas si c'est une grotte. C'est une grotte, ça. Okay, c'est pas profond. C'est absolument... oh, mais ça veut dire qu'on peut aller à l'infini, ça. Ok. Bon, ils disent 7h ou 10h, je sais plus combien ils ont dit. Parce qu'avec moi, je pense que c'est plus. Hein. Avec moi, à mon avis, c'est beaucoup plus. Il faut environ 7h pour finir le jeu. Ok. J'adore cette grotte. Quand j'y venais, j'avais l'impression d'être une aventurière. Surtout que ça ne plaisait pas à papa et papou. Composant insolite.
Oh, une petite fleur. Des mauves sauvages. Ça se mange, mais j'aimais pas ça hein, étant petite. Nouvel objet, mauve sauvage. On dit que c'est médicinal, mais c'est surtout utilisé dans des salades. Il faut grimper ici. Ah, il y a des trucs en dessous à aller chercher. Hop. Ah, et on peut pas remonter directement là. Hop. Ça donne envie de tout explorer. Hein. Est-ce qu'on peut monter là-dessus? Ah, une peluche! Let's go! Une peluche oubliée, ça pourrait faire plaisir à Abricot. Trop mignon cette peluche. Je pourrais faire une surprise à Abricot en la mettant sur son lit. Il doit bien avoir un truc là-haut. Une belle vue au moins. C'est quoi ce truc bleu au bout? Ah bah voilà. C'est pas beau. Ça manque d'une petite musique. Oula, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se passe des trucs pas cool sur le côté. C'est joli. Voler ou nager. Je pense qu'il faudra un truc particulier pour monter là-bas. Ce petit bruit de cigale, ouais. Oui, ils n'hésitent pas sur les références. Si jamais on vous l'a pas dit, on est du sud. Hop. Alors, il y a d'autres fleurs. Est-ce que j'en faut en prendre plein? Peut-être. Peut-être pas. Alors, comment on monte là-dessus? Pas par là. Comment vous le sentez, vous, ça, ce saut? Ça doit probablement pas être ça, hein, mais j'ai très très envie de faire le saut quand même. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je remonte après. Et j'ai très envie de voir où ça emmène, ça, là-bas. Ça a servi à rien, mais ça m'a rendu heureux. C'est l'essentiel. Hop, on peut monter par là. Alors, quel est donc cet endroit? Rien, il n'y a rien. Un flamant rose. Ok. Qui chill, qui vit sa vie de flamant rose. Hop. Et attends, reviens. Ok, on a envoyé un drone. Je crois que j'ai encore fait une bourde. On a envoyé un drone quelque part. Pourquoi? Je ne sais pas. Et merci le petit chef pour les 13 mois. Merci beaucoup. Ok, je viens d'allumer ça. Alors, à quoi ça sert? Je ne sais point. Mais... c'est fait. Tant qu'il est gentil, le drone, c'est bon. Bon, il avait l'air gentil. Donc, si je vais regarder de ce côté. Donc, il y a une option, je crois, qui peut vous indiquer tous les trucs un peu planqués comme ça. Donc, pour les gens qui veulent... enfin, qui vous indiquent dans le sens qui dit, ah, bah, là, il y en a un pas loin ou je sais pas quoi. Donc, ça peut être sympa aussi. Hop, on prend d'autres flamants roses qui chill. Non, je suis sûr que c'est possible. J'y crois. C'est ici, tout simplement, ouais. Hop, et ben voilà.
On est heureux. E-R-E. Oula, attends, il y a un truc que j'ai pas pris là-bas. Qu'est-ce donc ? C'est quoi ? Ah, puis le fait qu'il n'y ait pas de dégâts, pas de... Ça rend le tout encore plus sympa. Non, je peux pas le ramasser, hein. C'est juste pour mettre de la musique dans le coin. C'est fini déjà ? Ah non. Ah, mais... Il y a plein de trucs à explorer là, de partout. Mais est-ce qu'il faut que j'avance l'histoire dans un premier temps avant d'explorer tout ça? Est-ce qu'au contraire on y est? C'est bien d'explorer maintenant? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais rien. Ah tiens, un nouvel endroit où se poser. On peut pas se faire une en sorte, non. Musique safe niveau stream. Bah, niveau stream, oui. Bah, YouTube, ça serait une autre histoire. Et là, il faudrait une petite musique dans ces moments-là. Hein. C'est joli. Salut, Couscous. 13 mois, vendredi 13, j'avoue. Ouais, juste ça fait un gros saut. C'est bien, très bien. Oh, il y a une chaise là-bas, à mon avis, on peut s'asseoir dedans. Et là, il doit y avoir un cadeau là-dedans. Oh non ! Oh, déception ! Oh, la déception ! Enfin... Ça risquait de t'inviter chez nous. Quand on a intérêt à monter là. Ah, il faut que j'aille explorer ces ruines juste là. Il doit y avoir plein de composants. On va regarder sous le pont déjà. C'est quelque chose de planqué. J'ai pas l'impression. Non mais là l'exploration est ultra agréable, donc bon. Nouvelle zone hydro-poste. Donc là on voit une porte, pas de courant. Mais il doit y avoir une histoire pour mettre du courant partout. Ok, on a ouvert un truc. Qu'est-ce donc ? Je ne sais pas. On va aller voir. Quand j'étais petit, je pouvais encore passer entre ces barreaux. Petit canard. Plein de petits canards. Enfin, ou des... Je sais pas ce que c'est. Ok, on active des trucs. J'aimais bien me cacher dans ces tuyaux à l'époque. Je venais m'y réfugier quand j'étais triste ou quand j'en avais marre de voir mes parents. Des petits canards et on va monter. Salut Lily Papuche. On recycle. Il y a plein de composants. On prend tout. Rien derrière, non. On monte ici. On débloque un raccourci. Yes. Là, on a une porte toujours fermée. Ici, est-ce
Est-ce qu'on a des trucs blancs qui est derrière? Non, ça n'a pas trop l'air d'être le... l'idée. Oh, c'est une peluche, ça. Yes. Je me demande pourquoi ces peluches sont ici. On se demande, hein. Ah, ça monte encore, mais moi, j'ai des trucs à prendre en bas. C'est quoi, ça? Sandwich triangle. Bon, c'est un triangle, mais... La dernière recette du consortium, il date d'il y a plus de 30 ans. Il doit plus être trop trop bon, ce sandwich. Attends, c'est pas ça que je veux faire. Remonte. Je vais voir si on peut monter sur la bonbonne. Non, je pense pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un composant... Non, on monte pas dessus. Notre raccourci. Ah, attends. On va remonter. Hein. Mais il y avait ça. J'en profite pendant que je le vois. Il y a une planquée ici. Non. Solide ces pluches et le sandwich alors. Cet endroit. Un bipède collectionneur. Interdiction de piller la collection. Attends, j'arrive. Je vais ouvrir la porte. Donc c'est à toi qu'on va peut-être donner des items. À voir. Oh cool. Tu as toute ma gratitude, bipède. T'inquiète, c'était pas grand-chose. C'est pourtant ma première occurrence d'une aide du Med. Ouais, tu m'étonnes. T'as pas dû voir beaucoup d'humains sympas en bossant dans les... sur l'exploitation de Cigalo. Oui, les humains de l'époque étaient peu agréables. Il y en a encore des peu agréables. Le consortium considère toujours les planètes comme des ressources. Et les robots comme les humains sont leurs outils. L'extérieur a peu changé, visiblement. Mais la bipède peut prendre un objet de la collection en récompense. Merci petit robot, prends soin de toi. On peut avoir quoi? L'humaine a effectué la tâche. L'exploration extérieure est possible. Attends, tu m'as dit je peux prendre un objet de la collection. Ah, ce serait celui-là, du coup. Tous les autres, on est d'accord, c'est pas un choix ou je ne sais quoi. Non, c'est lui. Alors, j'ai soif. Ce micro-ordinateur permet la gestion automatique de l'arrosage, indispensable pour entretenir un jardin sur Cigalo. Yes, on a un j'ai soif. GG. C'est quoi le truc bleu là? Ah mais c'était une peluche que j'ai failli louper. Mais c'est pas mon doudou ça? Salut l'océan. Salut Agelda. C'est très agréable à regarder, tu as l'air de bien t'amuser. Ah j'aime beaucoup moi pour le moment. Très très chouette. Ah je me force pas du tout à explorer hein. Je peux vous assurer que c'est un plaisir de ouf. Hein. Elle monte là. Ah, de la musique encore. Qui laisse ses outils en bazar comme ça? Étrange ce petit camp. Ah. Qu'est-ce que j'ai à prendre? Écharpe marquée. Une écharpe orange marquée d'un symbole étrange. Elle a l'air très légère, c'est sûrement plutôt pour se protéger du soleil. Où est-ce que ça... Ouais. Il me faudrait une poulie pour utiliser cette tyrolienne. Ah. Il va y avoir des trucs à débloquer. Ok. Ah, c'est quoi ça?
Nouvel objet, composant rare de la technologie de pointe. Des composants renferment des métaux extrêmement rares et des semi-conducteurs de précision. Y a rien. Je vais essayer de choper celui-là. Oui. Bon, je pense que le jeu, il me dit, t'as pas le droit d'aller là-bas pour le moment. Tu n'as pas le système pour y aller. Arrête d'explorer. Attends. C'est pas sûr. Est-ce que je peux arnaquer le jeu? Je ne pense pas. Je pense pas que ce soit un rebord sur lequel je puisse monter ici. Non ! On remonte. Ok. Alors. C'est loin par contre. Non, t'as pas le droit, faut que je remonte tout, t'as pas le droit. Ok, ne pas vouloir aller trop vite. Ça donne quoi le jeu? J'adore pour le moment. Je suis vraiment fan. Doucement. Ah. Ok. Ok. C'est pas simple parce qu'il faudrait que j'arrive à courir et au moment de sauter, pile de dévier, mais le truc il est très... On peut pas s'accrocher. Non, parce qu'il me faut un. Il m'a dit qu'il fallait un système de poulie, je sais pas quoi. On est d'accord, hein, c'est pas moi qui ai mal lu. Il m'a dit qu'il me fallait un truc que j'avais pas. Hein. Ok. C'est peut-être pas possible. Hein. Ah, je vais pas trop insister, je suis en OP. Fin du mur est invisible. Ouais, j'ai du mal à faire mon saut. Non, je pense pas qu'ils soient invisibles. Je sais pas trop. Ah, il y a des trucs partout. Ah bah, je peux arriver en ville, mais il y a pas de... Attends, si je vais au-dessus ici. Un petit truc. Pas l'impression. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit.
Hop. Et on arrive ici. Mais le problème, c'est que j'ai pas le van. Donc il faudrait que j'arrive ici avec le van, je pense. Hop. Quand tu es sur le rebord du tuyau, tu sais pas choper le câble rouge que l'on voit avant la grille. Attends, le câble rouge, c'est le fameux truc que je peux pas, que j'ai pas le droit de prendre pour le moment parce qu'il me manque un item. Hein. Si c'est ça dont tu veux parler. Ok, un composant. Ok, il y a ce petit coin là-bas et ensuite on retourne en van. Et on ira ici. Les dégâts, il y a pas de dégâts de chute. Pas de dégâts de chute. Cool. Alors. Non, ici, il y a nulle part où je peux monter. Je veux pas monter là, arrête. Ah. Arrête. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y avait quoi que ce soit. Là-dedans. Il y a du composant juste là. Et là, on arrive en ville. Mais on va retourner au van. En regardant s'il y a des trucs sur la route. Genre ça. Oh! C'est un tombeau de Rento. Et ça, ça se ramasse. Un champignon. Et ça aussi... Non, ça, c'est des plus gros champignons. Bon, je vais pas aller par là, sinon je suis foutu. J'aime pas trop, mais ça fera plaisir à quelqu'un. Un village, deux retraits de roses, trois spatio-gares. Ça me fait bizarre de revoir ce rond-point délabré après tant d'années. Bon, par contre, ça fait plusieurs fois qu'on voit ces chaises là et qu'on peut pas s'asseoir. Pourquoi ? C'est le jeu parfait pour faire ça. Il y avait rien là-dedans. Là, c'est juste qu'on peut monter, mais je pense que ça nous ramène juste là où on était. Yes. Là, donc c'est tout ce qu'on a fait. On voit rien de spécial. Ah, regardez ce qu'il y a ici. Risque de sortie de route. Ça va, le van a, en a vu des pires que ça. C'est la même chose, ok. Allez, direction le van. Ça, ces trucs-là, c'est rien, hein. Hop. Donc on a cette porte ici qui est pas ouverte, mais j'imagine. Non, on voit nulle part. Hein. Pam pam pam, ça arrive. J'imagine que c'est pour plus tard, ou alors faut aller avec le van dessus et le poids crée un truc. Je ne pense pas, mais juste par curiosité, je vais voir. Non, c'est pas le poids qui crée. Hein. On sait jamais. On sait jamais. Ok, direction le village. Ça sert à quoi les composants que tu lootes ? Pour l'instant, je sais pas, mais je pense que Nefle va en avoir besoin pour faire des trucs. Et nous voilà. De retour ici. Alors, il n'y a rien. Nef, bonne nouvelle. Rose m'a prêté son van. Je vais pouvoir partir à la recherche du signal de détresse. Mais je sais pas trop par où commencer. Oh super, elle a grave confiance en toi. Alors ça fait un moment que je suis sur la piste des brouilleurs. J'ai préparé les plans d'outils pour les trouver. Il suffit d'avoir les composants nécessaires pour les bricoler. Des composants ? C'est-à-dire ? Tu en as déjà trouvé pourtant. Ce sont des pièces électroniques qui traînent. On sort des appareils cassés, ce genre de choses.
J'en extrais les métaux rares et les microcontrôleurs qui me manquent. Attention, ils n'ont pas tous la même valeur. La plupart des composants n'ont d'intéressant que leur transistor ou leur bobine. Cependant, certains appareils utilisés par le consortium renferment des pièces ou des métaux bien plus rares. Je crois même qu'on peut trouver des cristaux quantiques. Donc je trouve des composants, puis tu fais le tri et tu bidouilles, c'est ça ? Ouais, c'est ça. T'auras les infos sur Toaster de toute façon. Quand tu en auras récupéré assez, je trouverai un peu de temps pour qu'on construise l'outil qu'il nous faut. Où est-ce que je peux trouver des composants ? Les gens du village ont toujours des vieilleries en rap que tu peux recycler. Aide les gens et demande-leur s'ils n'ont pas un peu d'appareils électroniques de côté. Et sinon, t'en as probablement dans les ruines. Alors, je dois trouver des composants en me baladant et en faisant le taxi. Ça me va, ça va me faire voir du pays. Dès que tu auras ce qu'il faut, on pourra construire une antenne pour repérer les brouilleurs. J'avais déjà pas mal bossé dessus, donc quelques composants devraient suffire pour achever sa construction. Mais en attendant, j'en ai repéré un dans les calanques. Je te l'indique sur la carte, tu pourras commencer par là. Top ! Avec ça, j'ai récupéré assez de composants pour construire l'antenne. Et ben voilà. Ça, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Attends, F. Alors. Attends, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Parfait, les plans sont prêts. On s'y met quand tu veux. Tiens, regarde, le brouilleur des calanques devait être dans cette zone. Ah, mais c'est pas sur la tour ? Près de la gare ? Possiblement. Je vais checker ça. Si je trouve des composants sur le chemin, je les ramène. Ok. C'est l'heure de l'apéro. Salut tout le monde, Sauge, tu pourras passer me voir sur la place du village. On aimerait organiser un apéro pour ton retour. Oh merci, ok, je passerai. Trop hâte de voir un apéro humain. Il a. Suivre cet objectif, ça c'est mieux ça, l'apéro. C'est vachement mieux. Alors attends, qu'est-ce que c'est ça ? Parce que ça me fait sortir, c'est... C'est déconnecté. Ok, donc tout va bien. Ah, ici. Oh, les plans pour construire l'antenne. Nef l'a écrit, parfait, pour récupérer le brouilleur en un clin d'œil. Il en fallait 13 et 5. La fabrication de l'outil va prendre plusieurs jours. Après cela, la population de Sigalo sera passée à autre chose. Il ne sera plus possible de l'aider sur ses problèmes actuels. Assurez-vous d'avoir fini tout ce que vous vouliez faire dans ce chapitre. Tâche éphémère, c'est l'heure de l'apéro. Revenir plus tard. Et il a voulu me sucrer mon apéro, quoi. Au fait, tu as des nouvelles de papa ? Toujours pas. Fallait qu'il y aille le jour où je reviens. Il a voulu me sucrer l'apéro, quoi. Ça me va pas du tout, hein. Ah, Sauge. Et Sauge, t'as l'air de péter la forme. Bon, mon apéro. Et Yuka, tu m'as appelé ? Oui, alors t'es contente d'être rentrée ? Tu m'as trop manqué. Oh, toi aussi, tu m'as manqué. Ah, je le savais. Et papa est toujours pas là. Ah, tant pis pour lui, hein. J'ai dit au village qu'on allait se faire un giga apéro pour ton retour. Oh, mais c'est trop sympa. Yep, et file-moi un coup de main, on va récupérer de quoi bien grailler. Ok, tu penses à un truc en particulier ? Alors il nous faudrait de la tapenade de clémentine, le fromage de chèvre d'olivier et le pain de safran. Et aussi, est-ce que tu saurais apporter ton diabolomante maison ? Je l'adore. Oh bien sûr, et je vais prévenir tout le monde sur Toaster. Bon, la table maintenant. Merci Yuka, je récupère toutes ces bonnes choses et j'arrive. Alors, donc on doit trouver des choses ici. Donc apparemment il y a une chose en hauteur ici. Ah, déjà, qui es-tu, toi ? Bonjour. Ila, toi, c'est Sauge, c'est ça ? C'est ça, enchanté. J'ai eu ton nom dans les souvenirs des autres Rento. J'étais encore un Tétos, il n'y a pas longtemps. Ah bah, bienvenue parmi nous, alors, Ila. Tout va bien jusque-là ? Tout ce que je peux. Je fais des travaux de documentation. D'accord. La cuite au diabolomante, oh là là, ouais. Et Safran, Clémentine et Olivier sont dans le village. Va leur demander de quoi faire l'apéro. Ouais, j'ai de la tapenade au frais. Et moi, j'ai du bon fromage de chèvre. J'ai du pain. Le pain, on l'a vu là-bas. On était rentré ici. Ça me dit rien. Et en plus, il y a... Ah, non, on peut pas la prendre, celle-là. Mais par contre, il y a ça activé. Qui a permis... de faire des trucs avec les plantes. Sinon, il n'y a rien d'autre. Est-ce que ça a activé quelque chose dehors ou pas du tout ? Attends, c'est toujours l'arrosoir et rien de nouveau. Une année, les tarasques avaient ravagé toutes les cultures. On avait dû se cotiser pour acheter des trucs stationnaires. Des rations stationnaires, je ne sais pas pourquoi des trucs. Alors, tu m'indiques un truc en hauteur. Qu'est-ce que c'est ?
Ah, c'est juste que j'ai pas fait ça, c'est ça. La fille de la tapenade, tu y es passée à côté. Et il me disait, attends, c'est... oui, c'est celle qui était juste à côté. Je fais les choses dans un certain ordre. Est-ce que je vous laisse point d'interrogation ? Ah, je sais pas pourquoi ils ont pas mis de musique là-dessus. Ok, donc on a eu le point d'interrogation. Donc, ce brouilleur, quel enfer ! Raconte, j'ai pas tout suivi. Il y avait plus moyen d'accéder au consort shop, donc on pouvait plus commander des médicaments. Mais quoi ? Ouais, heureusement, Neff l'a accepté ce job de livreuse. Pourtant, je voyais plutôt Neff bosser dans l'ingénierie. Et Rose est là pour filer un coup de main en redistribuant les livraisons avec son van. Bah, c'est cool de pouvoir compter sur son Adelphe. Je sais pas ce que je ferais sans lui. Yael prend beaucoup sur elle-même avec tout ce qui s'est passé. J'aimerais beaucoup lui faire comprendre que je suis là pour la soutenir. Clairement, c'est pas facile à gérer, il n'y a pas de solution miracle. Oui, j'ai pourtant essayé de lui en parler. Mais bref, tu venais pour quelque chose en particulier ? Oui, la tapenade ! T'aurais de la tapenade pour l'apéro de ce soir ? Oh, mais oui ! Qu'est-ce que tu crois ? Tiens, j'en ai toujours un ravier sur moi. T'as toujours de la tapenade sur toi, c'est bien ça. Merci Clémentine. Nouvel objet tapenade, des olives écrasées et beaucoup d'amour. Ok, on a de la tapenade. Oh, les rentos sont de retour. Fuscus ! Sauge, tu es de retour ? Ouais, qu'est-ce que tu deviens ? Je m'occupe des tétos et de notre grotte, la routine. Il faudra que je passe. Quelle chance que tu sois là pendant notre passage de la semaine au village. Et fais pas trop attention à Rana, elle est sur les nerfs en ce moment. Oh Rana, ça fait si longtemps, comment ça va ? Ces brouilleurs, c'est un enfer ! T'inquiète, avec Neff, on va... Ouais, Neff, d'ailleurs, elle avait promis de nous en débarrasser vite, j'attends toujours ! Je vais voir avec lui. À part ça, tu vas bien ? Oui, pardon, ça me stresse cette affaire. Ça abîme le mycélium et on est en retard sur le cycle des tétos. Ah, oh, j'imagine, courage à vous. Salut Olivier. Oh, tu m'as pas présenté le petit monstre ? Ah, Sauge, bonjour, je te présente Abricot, notre bébé à Clémentine et moi. Coucou Abricot. Bon, on savait déjà qu'on voulait donner des trucs à Abricot, mais on connaissait pas Abricot. Fromage ! Ah bah, il apprend les bons mots. Le mot préféré d'Abricot. Ben tiens, je viens justement en chercher pour l'apéro. Oh chouette, sers-toi. Tu entends Abricot ? Tu en auras un peu ce soir. Fromage ! Bien, tome de chèvre. Mais il vient d'où le lait ? Il est vegan. Attends, du coup, vu qu'on a trouvé... Ah, j'espère qu'Abricot s'est content de trouver ses peluches. Ah voilà, plein de peluches. Ok, et il nous manque du pain. Oh Sauge, tu veux quoi ? Allez, je sais que tu peux être sympa. Attention au ton, jeune fille. Non mais ça va, hein. Ça va ? Rappelle-moi, t'as donné de nouvelles depuis que t'es parti ? Bref, t'es sûrement là pour du pain, sers-toi. Écoute, je suis désolé. Oui, j'ai donné des nouvelles à personne au village, mais t'es pas obligé d'être aussi casse-pied avec ça. Merci de m'avoir appris la boulangerie étant petite, c'était fun. C'est vrai, je suis borné. Désolé, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire équipe. C'était cool de t'avoir en stagiaire. Et on a bien besoin d'aide ici pour atteindre l'autonomie alimentaire. Pourquoi pas ? Je te prends une miche, on se revoit à l'apéro. Miche de pain. Ouais, du coup, y a pas besoin. Ok, on a tout. F. Sauge, tu as tout récupéré ? Oui, j'ai tout. Parfait, rejoins-moi. Oh, j'ai hâte. C'est l'heure de l'apéro ? Oui ! Yuka, c'est bon, j'ai tout. Oh top, de mon côté, j'ai fini les tables. Super. Bon, j'appelle tout le monde. Oh, j'ai la dalle. Tout le monde est là. Allez, Sauge, c'est le moment de faire la conversation. Courage. Et Sauge, c'est trop chouette de voir tout ce monde qui est là pour toi. Oh ouais, ça fait trop plaisir. Tu sais, c'est ma première fête avec des personnes humaines. Alors je prends tout en photo pour documenter ça. Ah, je me souviens des fêtes dans votre grotte quand j'étais petite. La musique était si belle.
Oh, je n'existais pas encore, mais j'ai vu ces fêtes dans nos souvenirs. En tout cas, je n'oublierai pas celle d'aujourd'hui. Cet apéro est très mignon. Alors, Sauge, c'était comment la vie en station ? Oh, tu connais la classique. Il y a tout ce que tu peux imaginer sur les stations. On manque jamais de rien. Enfin, si tu sais à qui demander. Sympa. Ah ah, alors Safran, t'en veux plus à Sauge ? Oh, ça va. Bah, tu t'énerves pas pour ça. Et si on évitait de se disputer ? En plus, c'est toi qui as démonté le vieux gris pour lui faire des composants. Mais c'est trop gentil, vous étiez au courant ? Ah super, maintenant la surprise est gâchée. Vas-y, prends-les. Quelle diva, t'es pire que moi. Récompense 3 composants. En désossant les objets qui vous ont été donnés, vous pouvez dénicher de précieux composants. Fromage ! Abricot, t'en as déjà eu. Bah c'est la fête, Abricot peut bien en ravoir un peu. Mais ce bébé est intolérant au lactose. Blair. Nefle, il y a une catastrophe qui va arriver là. Abricot, tu veux les toilettes ? Fromage ! Bon, aucun rapport, mais fallait que je te le dise. J'ai décidé de démonter mon vieux scooter cassé pour faire des composants. Mais tu pensais pas le réparer un jour ? T'en fais pas. Bon, je te le laisse, j'ai du boulot. C'est gentil. C'est gentil. Fromage ! Et vous voulez pas me parler ? Pourquoi vous voulez pas me parler ? Parce que je dois appuyer sur eux. J'ai dit non. Je sais pas si on a bien fait de confier Abricot à Nef. T'inquiète. Allez, viens, on profite un peu du moment. Tiens, quel âge a Abricot ? 2 ans. C'est vrai, c'est la première fois que tu nous vois parents ? Ouais, mon sommeil me manque. En tout cas, Nef et Abricot sont trop adorables ensemble. D'ailleurs, à force de faire des réparations, j'ai pas mal de trucs à recycler. Il paraît que ça t'intéresse. Oh, mais c'est trop sympa. C'est tout naturel. Je te tiendrai au courant si une de mes machines médicales rend l'âme. Bon, allez. C'est bien beau tout ça, mais la tapenade et tout ça. F, merci d'être venu à l'apéro. Merci tout le monde, ça m'a fait trop plaisir. Au plaisir, Sauge. Je pense qu'on a fini l'apéro du coup. Mais moi je suis en manque de tapenade et de... Ah là là. C'est con d'être accro au fromage en étant intolérant au lactose. Il suffit de devenir accro au fromage. Ok, donc soit on construit le truc, mais il nous a dit aussi, je pense, ah je sais pas. Non, on va aller faire la première tour déjà. On va aller vers le spatio. Hein. Ah mais attends, on va remettre. Quoi, F, C, E, suivre, voilà, nickel. Et on va regarder un peu par là. Allez, mais... je vais devoir m'arrêter à chaque fois. On voit quelque chose qui monte ici. Où est-ce que ça va ? Y'a rien là. Apparemment non. Allons voir. Ici, je pense pas qu'on puisse monter plus. Allons voir. Y'a quelque chose. Alors, on peut monter ici. Pourquoi faire ? Pour aller prendre un composant insolite. Ok. On peut monter là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce caillou ? Et là, il y a quelqu'un. Ce symbole, c'est un peu flippant. Je vois pas qui aurait pu faire ça au village. Bonjour. Oh, mais c'est toi, Curie. Ah, ça dépend qui le demande. Oh, Sauge. Ça me fait plaisir de te revoir, gamine. Ça fait des années, j'ai cru que t'avais disparu dans la tempête.
Non, j'étais en station. Je vais rien dire, mais je n'en pense pas moins. Eh, mais j'y suis pour rien, moi. Ouais, bref, maintenant tu es là. Dis, t'es occupé? Si tu l'es, oublie ce que tu es en train de faire. J'ai quelque chose de bien plus important à te confier. Je t'écoute, je peux sûrement te donner un coup de main. Il me faut de la nourriture. Et pourquoi t'y vas pas toi-même? Moi, j'ai plus l'âge de tournicoter dans tous les sens. T'as juste faim, du coup. Mais non! Mon vieil ami Poivron est de passage. Quand les nomades sont là, je cuisine un banquet pour eux. Et il me faut absolument 10 mauves sauvages, 10 sandwichs triangles et 10 barres déjeuner synthétiques. Les mauves sauvages, c'est pour l'entrée. Je vais faire une salade, mais il me faut quelque chose d'ici de frais, de coloré. Tu devrais trouver ça dans les calanques. Les sandwichs triangles, c'est pour le plat principal. Je vais faire un smorgastarta, un gâteau de sandwich. Il doit encore y en avoir dans les ruines. On se nourrissait quasiment que de ça à l'époque. Et les barres déjeuner synthétiques, c'est pour le dessert. Je vais faire un gâteau avec ça. Tu en trouves dans les camps nomades sur Cigalo. Ils en laissent au cas où un nomade se perd. Ça permet d'avoir un truc à manger. Ça doit faire beaucoup pour ta petite tête, alors je te renvoie tout ça sur toaster. Eh bé, sacré repas. Je peux venir? On verra, ça se mérite. Bah attends, si je te trouve tous les ingrédients, je pense que je l'aurais mérité. Hein. Allez, on verra, j'ai dit. Bref. File. Il me faut cette nourriture. Ok, chef. Hop. Nouveau message. De la nourriture. Mais c'est brouillé ici. Tiens, ça, c'est rigolo. C'est rigolo. Là-bas, on voit une ruine. Montons ici. Il doit avoir une bonne tête, les sandwichs dans les ruines. Ah, mais... Oh là là! Il y a un gars avec un chapeau chelou qui a disparu. Oh là là, il a vraiment disparu. Appuyons là-dessus. C'est un raccourci ou je ne sais quoi. Là, il y a un composant. Là, il y a une échelle. Puis une autre échelle. Et le signal qu'on a. Composant commun. Allez, nice. Cool. Et donc, il y aura un truc à trouver ici. Un point d'intérêt. Et on a ça à faire ici aussi. Ok. On a tout ramassé. Très sympa la vue comme ça aussi. Ça donne un peu le vertige en vrai. Même pas mal. Et du coup, on a... Alors, qu'est-ce que ça dit ? Tiens, regarde, le brouilleur de calanque devrait être dans cette zone. Ah, mais c'est pas sur la tour. Possiblement, je vais checker ça. Ah, pour... ah non, c'est juste qu'il n'y a pas un. C'est juste là. N'oublie pas, Sauge, dis mauve, dis machin, truc. Ah oui, rien que ça. Ok. Top ce petit jeu. Je l'aime bien. Ah oui, il est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Rien d'autre ici. Non. Bon, on a toujours des trucs bizarrement accessibles là-bas. On va regarder voir quoi que ce soit ici. Quoi que ce soit par là, on va ramasser les plantes. Qu'est-ce que ça dit? Ok, j'ai les plantes. Parfait, ramène-moi tout ça, je suis à mon campement. Ah, ça veut dire qu'on a déjà les 10 plantes. Bibi. Il n'y a rien ici. Là, ici, on avait débloqué un raccourci. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit sur le tour. On va aller voir les ruines qui sont un peu plus loin. On va quand même aller voir ces trucs là-bas. Rien de spécial. Retour au van. Ah, il faut qu'on revoie Billy aussi en haut. Ah, il est vraiment bien le jeu. Hein. Vraiment très très bien. Hop. Ça fait déjà 1h20. Justement, j'ai regardé, je me dis, j'ai aucune idée depuis combien de temps j'ai commencé le jeu. Et ben, j'ai pas vu les 1h20 passer. Hein. Hop. Stop. Stop quoi? Stop quoi? Pourquoi il y a un panneau stop? Dis-nous tout. T'as raté un truc au sol près de là où tu as débloqué le raccourci. Ok. Donc par là. Il
bien vu. Est-ce que je peux monter par là? Je pense que oui. Ah, peut-être pas. Donc un truc au sol près de là. Par là? Je vais débloquer le raccourci plus haut. Au-dessus. Okay. Ah! Alors, c'était pas au sol. Donc, c'est peut-être encore autre chose. C'était ça ou c'était pas ça? Parce que tu m'as dit un truc au sol. Est-ce que c'était ça ou est-ce que c'était pas ça? Parce que je vois pas de truc au sol. On peut aller par là, mais là je vois rien. Est-ce qu'on va avoir la réponse? Moi oui ou non? Là il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Ah, le viewer il a disparu. On balance une bombe là, il s'en va. Hop! De toute façon je vois rien d'autre, donc ça doit être ça. Hein. Ça doit être ça, au sol, près de là où j'ai débloqué le raccourci. Ça, c'était pas au sol, donc. Hein. Non, je vois rien d'autre. Hein. Je peux monter encore, mais bon. Non, je pense qu'il n'y a rien d'autre. C'est pas ça, mais je le vois plus. Ah mince! C'est une illusion d'optique. La complétionnité aiguë qui tape fort, ouais. Bon bah, allez, on va rendre les 10 plantes. Il faudra qu'on trouve le point... Attends, il est où le point d'interrogation? C'est quoi la map? Il est quand même assez loin, c'est ici. Ne critique pas, je suis pareil. Ah oui, je me doute. C'est bon, j'ai les plantes qu'il te faut. Fort bien, fort bien. Donne-moi ça, que je regarde. Oui, c'est exactement ce qu'il me fallait. Assieds-toi, Sauge. Tu as mérité ta récompense. T'as des composants à me passer? Sauge. Les composants, c'est pour les robots. Est-ce que tu es un robot? Non. Exactement! Tiens, en parlant de robots, laisse-moi te raconter une histoire. Quand j'étais encore jeune et en état de crapahuter, je travaillais dans l'usine d'assemblage de robots sur Cigalo. Avec mon équipe, on devait réparer un robot. C'était vital pour l'entièreté de la chaîne d'assemblage. Mais ce consortium à la con avait du retard sur la livraison de matériel. Comment faire? On n'avait pas les fils et les câbles qu'il nous fallait? C'était pas une question rhétorique, Sauge, comment faire? Je sais pas moi, c'est toi qui raconte l'histoire, c'est pas moi. Ça a un lien avec ce que je t'ai demandé de me rapporter. Vous avez utilisé des plantes? Eh oui! On a tissé les tiges ensemble pour faire une sorte de long câble. Puis on l'a trempé dans de l'aluminium fondu. Et tada! L'énergie pouvait circuler et le robot fonctionnait de nouveau. Mais c'est super ingénieux en vrai! Fallait y penser. On peut se débrouiller avec pas grand-chose quand on est malin. Suite à ça, ce robot avait gagné le surnom de Colosse Végétal. Et ça me rappelle un vieux film. Bon, je vais devoir filer, mais merci beaucoup pour l'histoire, Curie. C'était trop cool. Allez, file, gamine. Et n'oublie pas, j'ai encore besoin de quelques trucs. Et c'était quoi ma récompense? C'était l'histoire, ma récompense? T'as dit que j'avais une récompense? Je me suis fait un petit peu arnaquer. Je pense que... Ouais. Je pense qu'il y a eu une petite arnaque. Voilà. Voilà, voilà. C'est pas grave, c'est bien une histoire. Ok, on va s'arrêter là. Attends, qu'est-ce que j'avais vu sur le côté? C'est là-bas où j'ai rêvé. C'est pas les 10 mauves sauvages. Justement, non, c'est moi qui lui ai donné. C'est lui qui a eu les... Sois pas capitaliste, Crane. Ah, mais je dis pas que ça doit avoir de la valeur. Dis juste que tu me parles d'une récompense. Ça a pas l'air trop possible. Hein. Non. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Village, porte maritime.
Là, on a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va aller voir là-bas. S'il y a quelque chose. Ouais, il m'a arnaqué le vieux. C'est pas grave. Il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. Hop. C'est mieux qu'une histoire, qu'une babule que tu vas garder jusqu'à la fin au cas où tu en aurais besoin. Une peluche pour donner à Brico. Ok. On va aller voir de ce côté. Pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. On peut monter. Fromage! Quelqu'un avait perdu son chat, peu cher. Attends, mais c'était moi. On le sent qu'ils veulent les mettre, ces mots-là. Hein. Ah, mais c'est où on est arrivé tout à l'heure, ça. Ah, mais j'avais pas vu ça. Un casse-croûte, ça a l'air de se manger. Attends, c'est où je suis arrivé ou pas du tout? Ah, mais si, je suis arrivé là tout à l'heure. Y a rien au sol que j'ai loupé, ça non. Ah non, on peut pas monter si on veut. Ah, il a pas l'air de vouloir que je monte là-dessus. Il a pas l'air. Ouais, pareil, on peut pas. Si tu sautes pas par-dessus, tu peux pas s'accrocher à ces trucs-là. Ok, et donc il y a cet endroit qui est fermé pour le moment. Est-ce qu'on peut l'ouvrir, hein? Telle est la question. Diantre, fichtre. Qu'est-ce à dire concernant cette singulière locution? Dans la catégorie porte, tu fais pas plus badass. Par contre, elle a pas l'air de s'ouvrir de ce côté. Eh ben, grappons. Des composants, cool. Recomposants. Ok. Sauf que là, je suis foutu un peu, non? Là, il n'y a pas moyen. Le seul moyen, ce serait ici. Non, la question, c'est est-ce que c'est possible? Je ne sais point. Il faut arriver là-haut. Il faut arriver tout là-haut. Hop. Ramenons le van là-bas. On a un point d'intérêt à trouver. On n'a pas trouvé encore. Ça doit être un truc où s'asseoir. Que j'ai pas encore vu, juste là où on voit le truc qui dépasse. Ah, j'ai cru que j'allais tomber. Voilà. Parfait. C'est vraiment chill, hein. C'est vraiment très 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 chill. Hein. Ça permet de regarder aussi un petit peu partout s'il y a un truc qu'on aurait loupé. Est-ce que ça arrête de bouger un moment? Qu'est-ce qui se passe si on attend juste?
Ça bouge encore un petit peu. Je crois que ça y est. Je crois que ça y est. On est arrivé à la fin. Hop. J'en profite pour rappeler aux personnes qui viennent d'arriver que c'est une session sponsorisée. Un grand merci à eux. N'hésitez pas à faire un petit point d'exclamation caravane sur le chat sur Twitch et à cliquer sur le lien. Ça vous emmène sur la page Steam. Et c'est toujours un bon moyen de soutenir. Hop. Et la personne qui fait l'OP et l'équipe qui a pondu ce petit bijou. Et pour les gens qui sont sur YouTube, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Hop là. Alors, je vais aller voir un endroit avant de crafter le... Qui va probablement... Je pense qu'on va crafter le truc, ça va nous ouvrir là, etc. J'ai envie de bien finir l'endroit. Alors, où je voulais aller, c'était ici. Ça a l'air possible, mais dans un... Non, je peux pas double jump. Est-ce qu'on peut sauter sur des trucs ici? Hop. Même si je monte là, c'est mort. Ah, je suis tombé plus bas que prévu. Ok. On y retourne. Alors déjà, ce côté-là, est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, il n'y a aucun monde dans lequel je saute assez loin, on est d'accord. Hein. J'aurais beau prendre tout l'élan du monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est très très loin. Non, c'est très très loin. Je pense qu'ici, on peut abandonner l'idée. Ici, ça n'a pas l'air d'être jouable non plus. Donc, il nous reste que ça. Mais les barrières, le jeu, il aime pas. Il faudrait, c'est arriver à sauter. Ah, il nous laisse pas passer. Ah, il nous laisse passer. Ah non! Oh, vilain jeu! Vilain jeu! Ah, est-ce que je peux vite fait me poser pour refaire un... Mais ça sert à rien. Mais il y a toujours la... Ah non! Non, non, le mur invisible. Bon, il veut que j'avance l'histoire, j'ai pas le choix. Hop. Tac, tac. Et ben voilà. Oh, les plans pour construire l'antenne. Nef l'a écrit, parfait pour récupérer le brouilleur en un clin d'œil. Personne n'a de tâche pour vous. Construire l'outil. Salut Mickey Liège. Chapitre 2, nouvelle route, J+5 depuis le message de Garance. Antenne, cette antenne me permet de capter les signaux à distance et de détecter les brouilleurs. Ça alors, on a bien bossé, cette antenne est top! Attends, je veux d'abord voir ce qu'elle donne sur le terrain. Hé hé hé, j'espérais que tu dises ça. Je vais te présenter mon réceptacle. On va tester l'antenne là-bas. Oh, mais t'as bricolé ça ici? Je te montre ça. Qu'est-ce que c'est? Nef, t'es où? Attends, ça se calibre. Je voudrais pas que ça te grille le cerveau direct. Sauge, j'ai l'honneur de te présenter mon réceptacle. C'est comme mes simulations de pilotage. J'ai ça à l'école pour m'entraîner. Eh bien, figure-toi que c'est normal. J'ai emprunté la structure arborescente des simulations de réalité du consortium.
De base, c'est pas de l'open source, mais ils sont pas hyper bien protégé leur modèle. Quelle idée de garder cette tech rien que pour eux. J'ai ensuite ajouté ma petite touche perso, et hop. Waouh, c'est stylé, mais et l'antenne? C'est simple, tu l'équipes et ça fait apparaître les brouilleurs. Et tu peux même l'utiliser pour scanner les objets autour de toi. Pratique pour les composants. Exactement. En attendant, essaye de casser le faux brouilleur de cette instance pour t'entraîner. Équipe l'antenne pour révéler où est le brouilleur. Ok. Maintenant, tu peux aller le brouiller. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alors, tu veux que je descende, j'imagine. Marqué. Non, marqué. Ça. J'y vais. Brouilleur détruit, je suis prête pour la suite, Nef. Cette fois, il va falloir scanner. D'abord, équipe ton antenne. Maintenant, lance un scan avec l'antenne, ça va révéler les objets proches. Et là-dedans. Hop. Tu veux que j'en trouve d'autres ? Voilà. J'ai tous les composants. Nef, on peut continuer. Un seul de ces leviers ouvre la porte. C'est le levier N466. Marque le levier N466 avec ton antenne. Cool, va l'activer à pied pour ouvrir la porte. Ça ouvre pas mal de possibilités tout ça. Levier trouvé, je peux passer la porte maintenant. Spécial. Et du coup, c'était pour finir la simulation. Alors, la réalité virtuelle, ça allait ? J'ai malheureusement pas encore tout stabilisé. Ah, t'inquiète, j'ai juste un peu la nausée, ça va passer. Bref, t'as vu comment ça marchait ? Tu peux utiliser l'antenne pour repérer et péter tous les brouilleurs de la planète. Ouais, je vais faire de mon mieux. Ça va aussi nous aider à trouver d'où a été émis le signal du vaisseau de Garance. Elle te manque beaucoup ? J'arrête pas de penser à ce qui a pu se passer. Moi aussi. Bon, écoute. Il faut qu'on arrive à enlever le brouillage pour localiser le signal. Il y en a un que j'ai repéré dans le désert près du Labotech et tu devrais pouvoir y accéder. Mais pourquoi celui-là en particulier ? Il devrait me permettre de me connecter à la salle de contrôle de l'Aqueduc qui a une plus grande portée. J'aimerais t'envoyer casser les autres, mais les vieilles portes des ruines sont comme soudées sur place par le temps. J'ai prévu le coup, un super grappin pour les arracher. Mais il me faudra beaucoup plus de composants ce coup-là. Mais concentre-toi sur le brouilleur, je te le marque sur la carte. Bah, je me demande si je devrais pas attendre que mon père revienne du désert. Tu vas peut-être devoir attendre encore longtemps. Tu n'as qu'à aller dans le désert quand tu seras prête. Ça marche. Papa n'est toujours pas là. Je vais peut-être le croiser en allant dans le désert. Déjà, qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà les coordonnées du brouillard que tu peux détruire. Bon, c'est une zone approximative. J'ai pas pu faire plus précis, désolé. T'inquiète, c'est déjà bien. Je vais m'y rendre et lui régler son compte. Rappel, 5 jours depuis l'envoi du signal de détresse, le consortium propose plusieurs services pour les obsèques. Envoyez RIP pour plus d'informations. Mon robot qui gérait l'irrigation des tomates vient de me lâcher. Oh non, tu veux que je passe et qu'on regarde ça ensemble ? Il est foutu, j'ai tout essayé. Il m'en faudrait un nouveau pour le remplacer. Mais on n'a pas eu un truc j'ai soif de système d'irrigation ? J'ai ça, moi. Suivre cet objectif. Profil recherché, humain, agile et rapide. Des compétences en exploration sont appréciées. Une vraie fiche de poste digne du consortium. Attention à ne pas tout faire comme eux. Okay. Et du coup, on n'a pas l'option pour construire le grappin, pour voir combien de composants ils font. Tu as pu voir le désert ? Bientôt, faut juste que j'ouvre la porte. Tarde pas trop quand même. Okay, on va aller voir. Est-ce que du coup c'est ouvert ici ? Il y a du monde devant. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent ?
Ton père est toujours pas revenu. Je commence à m'inquiéter. Pour moi, il est déjà cramé dans le désert à l'heure qu'il est. Super. Je dois aller le chercher en van. Super, un membre de la famille en plus qui va pouvoir se dessécher. Allez, faisons confiance à Sauge. Avec le van, il ne peut rien lui arriver. Allez, viens, on va t'ouvrir la porte. Elle est lourde. C'est bon. Et voilà, on peut officiellement aller dans la suite du jeu. Je vais juste aller voir, je vais faire demi-tour après. C'est quoi ça au croisement? C'est quoi? Tu peux venir avec nous? Ah non? J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Encore lui? Vous croyez que c'est sa sœur? Sepp. Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Cette voix! Sauge, c'est toi ma fille? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis allé à la recherche des nomades. Ils sont en retard. Amène-moi au village, tu serais gentil. T'en fais pas, papa. Je m'occupe de toi. Heureusement qu'on était là, hein, parce que personne ne l'avait vu, il était loin. Aide-moi à le mettre au lit. Oh, Sepp est bâti comme une navette spatiale. Allez, papa, repose-toi. Olivia arrive. C'est le côté pénible avec Crane, c'est toujours un déchirement de devoir quitter ses streams. Bah, quitte pas, reste là! J'espère que tu seras encore là. Merci pour ce très bon moment et cette découverte. Ouais, c'était cool, c'était cool, c'était cool. Mon petit papa. Tu peux lui faire des reproches. Même s'il dort, ça rentrera dans son inconscient. T'es complètement dingo d'aller dans le désert à pied comme ça. Bon. Je pars casser des brouilleurs. Fais pas le héros pendant que je suis pas là. Je le surveille, t'en fais pas. Eh bien, quelle journée. Bon, on se reprend. Il faut que je casse du brouilleur au Labotech. Parfait. Et est-ce que maintenant, on a... Yes, je crois qu'il va nous dire combien il faut. Ça, ce sont les plans pour fabriquer le grappin. Tiens, Nef, a laissé un mot. Pour arracher des portes en toute délicatesse. Ah, dommage, il me manque des composants. Ah oui, il m'en manque plein en plus. Il m'en manque plein, petit malin. Et ben voilà. On a donc ouvert... Ah, on a des messages non lus. Il y a un problème avec l'arrivée d'eau. J'ai failli ne pas pouvoir sortir de la douche. Ouais, il y a un problème avec la pompe. Faudrait que j'aille à l'extérieur du village pour réparer ça. Donc les tomates sont opérées. Fermeture de la grotte. Annonce pour les humains d'Estello. Nous fermons notre grotte jusqu'à nouvel ordre. Fermé? Qu'est-ce qui vous prend? Les brouilleurs humains sont dangereux pour les tétos. Je reste devant l'entrée au cas où quelqu'un de brouillé ne verrait pas ce message. C'est sympa le système de toaster. Hop. On va aller voir pour les pieds de tomates. Ah, je me demande si on va dans l'eau et qu'on prend le truc comme un jump là. Vous croyez que ça marche? Je pense que c'est important de tester. Devant vos yeux ébahis. Okay. J'espère que vous avez été ébahis. Moi j'ai été très très ébahi. Ok, où tu es? Tu es dedans. Oh purée! J'étais allé ici. Oui, j'étais allé, c'est là où il y avait la grande... Il y avait la... truc pour les dents, là. Brosse à dents. Rose, ça venait de son jardin. Et Rose, tout va bien? Non, ma chérie, non, ça va pas. J'ai cassé mon micro-ordinateur de gestion d'eau. Mince, il fait chaud en plus. Je sais pas ce que je vais faire. Mes pauvres tomates vont jamais survivre. Mais attends, j'ai trouvé un appareil étrange en explorant les ruines. Oh, Sauge, ma chouquette, tu me sauves la vie. Et surtout celle des tomates. Merci beaucoup. Je te prépare un gazpacho dès qu'elles sont mûres. Oh oui. En attendant, voilà l'ancien appareil. Je suis certain que tu peux en tirer quelques composants. Trop cool, merci Rose. Et ça te dirait de faire un peu de jardinage avec moi? Ah, mais carrément, ça me rappellera des souvenirs. Rose, c'est assez hydraté comme ça?
Oui, c'est tip-top, ma chérie. Génial. Et ben voilà. Oh là, plein de composants. 10 communs. 3 insolites, 2 rares. C'est pas beau? Ouais, pas facile le jardinage. Qu'est-ce que Rose pète la forme? Et du coup, là, si je vais ici, que je fais ça et ça. Ah, il y a quelque chose là-bas. Une peluche. Générateur, mais je peux rien y faire au générateur. Porte, plateforme. Genre, j'ai loupé une peluche! Oh là là! Voilà, parfait. Parfait, parfait. Hop! Donc maintenant, on peut faire F et puis marquer l'autre objectif. On va enlever ça. Bonsoir, j'ai raté beaucoup, à peu près toute la découverte, oui. Alors, est-ce que j'ai loupé des trucs? Apparemment, j'ai bien exploré. Hein. Il n'y a pas un composant, il n'y a rien. Hein. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est de la bonne exploration. C'est Kiki qu'on doit voir? Ah, t'es en bas. Je te vois. Je te vois. Et Clémentine, t'as besoin d'un truc? Ouais, alors je dois réparer la pompe à eau du village. Oula, c'est grave? Je sais pas encore. Mais si c'est pas réglé rapidement, ça va l'être. C'est cette pompe qui alimente tout Estello. Et niveau réserve, on est comment? 2 ou 3 jours max. En plus, avec la chaleur qu'augmente, ça va devenir compliqué cette affaire. Bref, il faut que j'aille régler le problème de la pompe. T'as besoin que je t'y conduise? Si tu veux bien, ma caisse à outils est trop lourde à transporter jusque là-bas. Bien sûr, et t'as sûrement besoin de compagnie en plus. Tu me sauves la vie. C'est parti. Et donc voilà, maintenant, elle est avec nous. Bon, bah c'est un très bon moment pour couper la VOD, je pense. Je pense que c'est parfait. Petit mot de la fin sur, pour les gens de YouTube. Et bah c'était génial, j'ai adoré. Et je pense que j'ai rien à dire. C'est beau, l'ambiance sonore est cool, c'est agréable à prendre en main, les dialogues sont sympas, les personnages sont chouettes. Ouais, c'est un sans faute quasiment, hein, je pense. Hein. Je pense que voilà. Non, le seul défaut, c'est que ça parle de tapenade et j'ai pas de tapenade, quoi. Voilà. Non, vraiment génial. Ils ont fait un super boulot. Hein. Ah, ils ont fait un... Ouais, non. Très, très chouette. Hein. Très, très chouette. Ouais. Non, tout est bien. Il y a vraiment rien de chiant. Non, c'est... voilà. Non, un gros GG à eux. Un gros GG à l'équipe de dev. Un grand merci d'avoir sponsor la chaîne. Parce que qu'est-ce que c'est agréable de... d'être en plus rémunéré pour pouvoir présenter des jeux de cette qualité. Et je leur souhaite beaucoup de succès en espérant que ça se vende bien. Et de votre côté, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous, d'aller sur Steam et soit de le mettre en wishlist, soit de le prendre pour vous. Le jeu est aussi sur Switch, sur PS5. Et puis voilà. Allez, des bisous YouTube. À bientôt. Allez, ciao.